Bonjour, cette vidéo, ça va faire partie d'une série de vidéos qu'on m'a demandé de commenter. C'est des parties qui ont été jouées aux échecs, dans lesquelles on va essayer de voir les erreurs ou bien les erreurs un petit peu plus graves à ne pas commettre, pour essayer de les montrer et pour que le joueur ne refasse pas la même faute ou bien la même bêtise dans ses parties. Allez, ici donc les blancs vont jouer. Voilà, c'est deux parties qui se jouent entre deux joueurs confirmés quand même. Voilà. Et là on voit que le blanc il attaque ici le cavalier. Voilà, il le prend, ça veut dire que le blanc n'aime pas en général les cavaliers, il a un défaut avec les cavaliers, ou bien il veut que son adversaire n'a plus de cavalier. Là, continue. Les noirs menacent la tour, ça c'est quand même quelque chose de bien, mais il n'a pas de chance. Et voilà la première faute. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un petit peu condamné le fou, à peu près. Donc, normalement, il fallait qu'il avance seulement en B6 au lieu d'avancer directement en B5. Regardez, il prend. Et là aussi, il va continuer à faire les erreurs, c'est que il va essayer de prendre. C'est la première erreur grave des noirs. Pourquoi? Parce que c'est facile. Voilà, le fou est parti. Ça joue pour le moment. Et notre erreur, normalement, il a en remontant la tour, il a un petit peu libéré la lignée du roi. Voilà. Et donc là, la tour, elle prend tout ce couloir ici. Donc elle bloque le roi derrière. Là, le roi a une position faible pour le moment. Et la deuxième erreur. Ce pion-là qui était protégé, maintenant il ne l'est plus. Ce qui fait que il a donné un autre couloir au blanc. Et là, il y a une menace d'échec et mat ici. Et malgré tout, les noirs vont faire encore une autre bêtise. Ils veulent s'intéresser à ce pion-là. Et là, ils ont laissé le champ libre. Pour les blancs, ils n'ont pas protégé cette ligne-là. Donc là, on a une colonne plus une ligne qui sont complètement à la merci des blancs. Et voilà, échec et mat. Donc les deux erreurs à éviter au maximum, plus éviter de laisser des couloirs ou bien des lignes complètement vides pour les tours. Merci et à la prochaine.